Urban Love Show. Parce que ce que j'ai vu cette semaine, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'avais jamais vu ça, apparemment, j'avais jamais vu ça même dans le mouvement gospel. J'ai vu lors des répétitions, les grands, les petits, ou alors les plus expérimentés dans le RAP, accompagner ou alors rectifier, ou alors recadrer un tout petit peu les plus jeunes. Et ça, c'est ce qu'on veut voir tous les jours. Et dans le mouvement urbain, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Quelque chose d'exceptionnel qui est en train de qui se propage à l'horizon là. Et je veux que tu acclames vraiment la grâce de Dieu. Parce que ça va être comme c'est parti. Et quand vous écoutez dans le spot, on dit à la fin ce que show. Et il y a quelque chose qui va se produire maintenant. Voilà. Je vais appeler ici quelqu'un. Introduire ici quelqu'un qui a été un Josué pour beaucoup de personnes dans le média. Et il est pasteur, il est animateur. Qui ne connaît pas le pasteur Michel Toubet sur STV. Et il est avec nous ce soir. Est-ce que le pasteur Michel Toubet peut monter sur on peut vous acclamer le pasteur artistique du Urban Gospel Show. Wow. J'espère que vous vous amusez parce que ce programme a été conçu uniquement pour vous. D'accord? Et c'est vrai que c'est original, n'est-ce pas? J'étais là partout en passant, l'affiche et tout. Et que vous vous rendez compte que finalement, c'est moi le pasteur de l'événement. Alléluia. Une chose que j'ai découvert avec le Seigneur, il est très drôle. Il aime prendre des petites choses qui glorifient. Et ce soir, je voudrais que vous sachiez que le Urban Gospel Show a été conçu uniquement pour vous. Il y a différentes circonstances où le Seigneur vous cherche, où il veut vous atteindre. Et il vous fait comprendre qu'au travers du rap, du hip-hop ou de la danse urbaine, vous avez une place en Christ. La chose la plus importante en ce lieu, s'il faudrait qu'on s'arrête maintenant, c'est que vous avez fait sa rencontre. Et vous savez, c'est simple. C'est au-delà de simplement aller à l'église et le recevoir dans son cœur. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu t'en fous de qui est à côté de toi, tu ne gères pas les bouteilles de bière qui sont à côté de toi, mais que tu dises, je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Passe à ce moment, si tu aimes le rap, si tu aimes quel que soit l'art, tu reçois la racine d'être une personne exceptionnelle sur cette terre et de pouvoir influencer chaque fois que tu ouvres ta bouche. L'occasion que j'ai envie de te donner, c'est celle que le Seigneur a organisée. Ce programme a été conçu uniquement pour toi, toi qui m'écoutes, pour cet instant-ci. Et je ne veux pas être long, je vais juste te le dire, Jésus cogne à la porte et il t'appelle. Beaucoup de chants l'ont déjà dit. Et tu peux répondre à cet appel en faisant tout simplement cette prière. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu déclares de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur publiquement, là nous sommes devant un public, tu sais ce qu'il fait, il te reconnaît publiquement également dans les cieux. Gloire à Dieu. Amen. Donc je voudrais, DJ, ok, je vais vous demander, tu me dis hip-hop, où était le pianiste?
un petit air quand même. Mets-toi un peu un air. J'aimerais que là où tu es assis, tu comprennes que le Seigneur a organisé de t'attraper dans un bar. Parce qu'il te cherche partout et t'a pas trouvé. Mais il y a une chose qu'il a envie de faire, il veut changer pour l'année 2019. Et ça commence avec le Urban Show, Gospel Show. Je veux que tu répètes cette prière après moi. Et vous savez, mes frères qui sont là, répétez en même temps pour encourager ceux qui pourraient avoir un peu de retenue de le faire tout seul. D'accord? Cette prière, quand tu vas la faire, c'est pas à moi que tu l'adresses. Tu l'adresses à la personne qui est là, parce qu'il a dit là où deux ou trois sont en son nom, il est précis. De m'avoir sauvé, d'avoir changé mon histoire, et d'avoir fait de moi une toute nouvelle créature. Je vivrai pour toi à partir de ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu applaudisses très fort parce que quelqu'un a copié toi dans cette prière. Et ta vie a été changée. Le programme continue, mais je voudrais que tu n'oublies pas ce que tu viens de faire. Ce que tu viens de faire, tu as ouvert la porte au Seigneur à ton cœur. Et tu sais, le travail que tu cherchais était en fait dans cette prière. La guérison que tu cherchais se trouve en fait dans la prière que tu as faite. Le changement dans le fait que tu cherches une maison, quoi que ce soit, se trouve dans la prière que tu viens d'exécuter. Et tu vas juste constater que quand tu vas partir d'ici, tu vas dire, mais je suis en train de perdre le temps devant un bar, devant un truc que les gens appellent gospel. Mais je me sens différent. Pourquoi? Parce que tu as osé croire et tu as osé faire ce pas. Alléluia. Je vais aller là derrière. Et j'ai un cadeau pour toute personne qui a fait cette prière. Je voudrais que tu te rapproches de moi pour recevoir ce cadeau. C'est un petit livre qui va te montrer comment ils ont fait ses débuts dans sa marche de foi. Et tu sais quoi? On va donner également comment faire tes débuts dans le hip-hop. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent apprendre à rapper parce qu'ils ont aimé ce que c'est? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'apprendre à chanter, même du R&B ou tout simplement avant de vous faire? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent apprendre à jouer au football? Je voudrais dire que la prière que tu as faite t'a qualifié pour que tu développes des talents que tu ne pensais pas être de l'autre. Donc j'attends là derrière. Et avec la complicité de toute la merveilleuse équipe que nous avons ici, nous recevons un show extraordinaire. Est-ce que tu peux applaudir pour toi-même? Est-ce que tu peux applaudir pour le roi des rois? Il est là et il est en train de te rendre ministère. Ce soir, vous êtes bénis au nom de Jésus. Voilà. Et sa grâce vous enveloppe. Et toute personne qui a fait You back on the show. Bien sûr. Donne-moi les cadeaux. Tu envoies les tubes avec mes cadeaux. Merci bien. C'est parti, tu es prêt? C'est bon? Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour DJ Elisha et Léonie Mix? Plus fort! Voilà! 3, 2, 1! C'est Gospel Show. Gospel DJ Elisha. DJ Elisha. Yeah.
comme slogan et gagner style de fait pour les pilas arrivent sont privés. Est-ce que fait comme slogan et gagner style de fait. Il nous reste 1 minute 30 dans le show des Micha et Léonie et Léonie Mix. Je veux qu'il y ait un livre qui a été donné tout à l'heure, n'est-ce pas? Par le pasteur Michel Toupet. Ceux qui ont reçu, s'il vous plaît, levez. Ceux qui ont reçu, levez. Ceux qui ont reçu le livre. Ceux qui ont reçu le livre, levez, s'il vous plaît. Je veux voir ça d'un coup. Je veux voir, on veut voir tout ça. On peut voir? Balancer comme ça. Parce que ceux qui n'ont pas reçu. Il s'appelle. La partie que vous voulez. Il y a son nom qui est le soleil. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour la danse. Le sang. Tout le monde est en l'air. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce moment. Je salue mon grand frère, mon père spirituel Balo, qui est là à Douala. C'est le père du hip-hop au Cameroun. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à décoller? Yes. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Si tu as le fils, tu as la vie. Si tu as le fils, je te dis mon ami, c'est que tu as la vie. Si tu as le fils, tu as la vie. Si tu as le fils, je te dis mon ami, c'est que tu as la vie. Reçois la parole. 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 Tu as le fils. Tu as le fils. Tu as la vie. Tu as la vie. Si tu as le fils, je te dis mon ami, c'est que tu as la vie. Tu as la vie. DJ Lucha. Ok. Nice. Good, good, good. Est-ce qu'on peut faire ça debout? Yeah, yeah. Yeah, yeah, est-ce que vous êtes chaud? Yeah. Le sang. Le sang. You back on the show. DJ, DJ. Le peuple a soif. Tes péchés sont noirs, continue comme ça et tu repars. Tu ne veux pas croire qu'il
délivré, t'es délivré. Mais face au péché, tu n'es pas calibré. Cesse de faire comme un bébé qui dans la main prend sans demander. Tu m'as dit que tu vas changer, changer. Tu me dis que t'es désolé. Pendant ce temps, ton âme plaire et la fin. Tes signales attendues pour emprunter le vrai chemin. Jésus, il transforme véritablement celui qui le reçoit. Ouais, soit il te faut la foi. Engage ce processus pour faire nourrir le moi. Ouais, moi c'est pas la langue de bois. Non, quand que tu crois que t'es des mecs contre toi. Il le sait, tu peux voir. Est-ce que t'es prêt à recevoir le roi des rois? Est-ce que t'es prêt à mettre sur le péché à le roi? Une fois, une fois, une fois. Tu n'y arriveras pas si tu le veux pour le bon choix. Y'a, y'a l'église. Tu es toujours le même. Tu chantes à la chorale. Tu es toujours le même. Dans tous les groupes, tu es toujours le même. En fin de compte, ta vie toujours est toujours la même. Au fond des gens, tu donnes, tu es toujours le même. Tu pars au banc et aux cellules, tu es toujours le même. Qui a rendu pour te répondre, pour ne plus être le même. En fin de compte, ta vie c'est toujours la même. Tu es devenu un souffre douleur au pont de l'église. Où se situe le fils de Dieu donc dans le but? C'est le code de Jésus, celui qui te faut. Il a détruit le foin de sa vie, son sang et sa peau. Il est toi au niveau, il vient être nouveau, il s'occupe de tout. Fils de l'homme, ah, il est passé tant de péchés, des livres, c'est sur la foule. Pour que tu abandonnes le trésor qui te fait pleurer comme un gosse ou comme un moment. Mais tu le veux comprendre, tu me dis que c'est la propagande. Il y a pas de prêche, l'évangile, il vient de l'ange, mais la foule. Tu le crois incapable, il est capable de faire avec tout ça, c'est son grand coupable. C'est là, maman, c'est là, maman, c'est là, maman, 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 c'est là, 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 maman. Pourquoi ta vie est toujours là, maman? Coupe-tu-t-elle, coupe-tu-t-elle. You Et par sa bonne entrée, la soirée pour tout le monde, tu peux le
en vrai, tu as la capacité de le représenter, même pas à quel essai. Laisse-moi le voilà. Qui aimerait faire la paix avec Dieu? Si tu es fatigué de ta vie de péché, ta vie de fornication, ta vie de masturbation, ta vie de tricherie, si tu es fatigué, le Seigneur déclare dans sa parole, vous qui êtes chargés, venez et vous donnera du repos. S'il y a quelqu'un ici qui aimerait faire la paix avec Dieu, ma soeur, ne gêne pas ton voisin. Lève la main, on va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu? Ok, il n'y a personne. Ok, mon frère, viens, on va prier pour toi, mon frère. Viens, mon frère, on va prier pour toi. Je veux prier. On peut acclamer pendant qu'il avance. Je veux prier le pasteur aîné, le grand frère Balo, de bien vouloir les conduire à la prière. Et toi aussi. Okay. Amen. Ok. Pour l'esprit, c'est Dieu qui a donné. Vous allez répéter après moi cette prière sincère du fond du cœur. Ou bien, peut-être prier à vous sans micro, parce qu'il n'a pas été personnel. D'accord. Père, au nom de Jésus, merci pour ce soir. Merci pour le privilège d'être ici. J'ai entendu ta parole et j'ai répondu à cet appel. Je suis devant toi seul pour te donner ma vie. Pardonne-moi de mes péchés. Change-moi. Bénis-moi. Transforme-moi selon ta parole. Saint-Esprit, merci. Seigneur Jésus-Christ, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur et change ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Ok, merci. Hein. Si vous avez été sincère, je sais qu'il y a deux ou trois personnes qui ont fait la même chose là-bas. Si vous n'avez pas eu le courage d'avancer, nous sommes encore là. Vous pouvez vous rapprocher de nous avant la fin pour qu'on pose à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est officiel. Parole qui sont avec nous. Et avant, je vais introduire ici sur cette scène. Elle est là depuis vraiment. Et. Elle était très, très patiente et elle a été également brillante lors des répétitions et ça va payer, je le sais. Voilà. Je vais demander ici à une jeune de monter. Elle s'appelle tout simplement Rachel. Rachel. Je vous demande de ovationner tout de suite, mesdames, messieurs. Ovationner pendant qu'elle avance. Est-ce qu'on ovationne Rachel? Bonsoir. Bonsoir Rachel. Très ravissante. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne vous entends pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous voir ce soir et je veux croire que chacun de vous a vraiment profité depuis que cette soirée a commencé. Ce soir, je suis porteuse d'un message aussi. Okay.
Bien sûr, notre très cher Rachel, on a gardé le premier objectif, hein, le premier objectif de cet événement qui est également évangélique, et on est revenu aussi à ça. Voilà. S'il vous plaît, c'est votre applaudissement pour Rachel. Encore. Allez. On va continuer dans la même lancée. Celle-ci n'est pas inconnue. Au contraire, les médecins de profession, vous voyez ce que je veux dire. Et elle va monter ici, elle a quand même du temps pour faire de la musique. Et paraît-il qu'elle a un truc, je peux faire dire comme ça, un truc qui va dans le rap. On va voir ça, parce que j'ai entendu ça seulement hier. Mesdames et messieurs, c'est une princesse. Princesse Dominoa. Sur la viande d'artiste, sous vos ovations. You Back Your Soul Show. Parce que maintenant, ce ne sont que les grosses voitures qui vont monter jusqu'à la fin. Salut, Princesse Dolly. Salut, Savio. Salut, Kim. Salut, Anne Douce. Je vous bénis dans le Seigneur. Excusez-moi, on ne s'accorde pas avec le. Bonsoir Ballon et bonsoir à tous ceux qui sont venus hors de Douala qui sont avec nous. Regarde, je vais être plus d'un premier. Arrête un peu ça, pardon. Je ne rate pas encore. Viens, même dans ma rébellion, alors, ce qui s'est passé, c'est que Dieu fait les choses pour les gens. Donc, quand on l'a laissé à lancer ce mouvement, je lui ai envoyé ses têtes de méchant et il a dit que ça faisait partie du soir. Alors, je me suis levée pour t'accompagner dans cette première édition. Je ne vais pas chanter, ce qu'on va plus faire, c'est que nous allons danser. Bon, nous commençons par un chant Cameroun, mon beau pays. Dans ce chant, j'exprime un cri qui est le cri de la jeunesse, qui est notre pays. Je voudrais que Dieu bénisse notre pays. On peut y aller, Didier. Thank you.
Dieu. Attends, pas la photo, la photo, la photo, la photo. Bien sûr, et aujourd'hui il est en
solo. On le retrouve sur Urban Gospel Show. Il est sur le Urban Gospel Show. Embarquement. Et peut-être le débarquement aujourd'hui. Voilà. La punchline de Christian Bondo. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, en français c'est frère chant. En anglais c'est. Oh, plus fort, plus fort, plus fort. Ah, tu jettes dans le sac, mon frère. Regarde, dépose même le sac, mon frère. Grosse mon Dieu, ça veut dire quoi? Non, laisse le sac, c'est l'embarquement. Bonsoir. Juste une chose que je suis venu dire ce soir, c'est... Tout chemin mène à Rome, c'est vrai, et oui, c'est sûr. Mais seul Jésus mène en haut, Jean 14, verset 6. Il est le chemin, la vérité, en lui est cachée ma vie. Il est le chemin, la vérité, en lui est cachée ma vie. Yo, Bangos, Bachelot. Je viens, et quand j'ignore, alors je m'apprête, ou pas, il revient pas.